Vous qui suspendez nos soignants, et là je m'adresse simplement et plus particulièrement à l'équipe précédente, vous qui avez eu la volonté d'écarter et de réintégrer certains soignants, êtes-vous réellement vacciné? Merci. Monsieur Hébrard, j'ai écouté avec attention ce que vous nous avez dit. Permettez-moi d'abord de répondre à quelques points. Vous souhaitez savoir si je suis vacciné? Non, mais vous me l'avez demandé. Je suis correct, je réponds. Alors, j'ai fait le Covid le 7 juin de l'année dernière. Vu les facteurs de risque que j'ai, je dois attendre 6 mois pour la prochaine vaccination. Donc, je ne manquerai pas de me faire vacciner à partir du 7 décembre. Maintenant, vous parlez d'une néopolitique de mensonges et de peurs. Je veux bien tout entendre, mais pas n'importe quoi. Ça veut donc dire que l'ensemble de la communauté scientifique internationale ment et vend la peur sur cette épidémie de Covid qui a fait des millions de morts. Je pense que nous pouvons avoir un débat raisonnable, échanger sur des idées, mais pas forcément dire n'importe quoi.